Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 15, Ariel. Le septième chérubin est le régent des énergies Uranus, Mercure. Il agit depuis le fort intérieur de ses protégés. Il oriente leur intelligence vers la vérité, vers la science et vers la spiritualité. La personne doit éviter de critiquer, d'ironiser, afin de faire jaillir de ses paroles et de ses écrits l'amour, cette blancheur uranienne qui rend belle toute chose. C'est alors, lorsque l'amour jaillira, que l'ange Ariel conduira la personne vers la grande route de la science, vers celle de l'art, ou vers celle de la spiritualité, ou vers les trois routes à la fois, selon le désir de la personne. Tout ce que la personne écrira sera chaleureux et exaltant, témoignage de pureté et de vérité. Ariel accordera splendeur et éclat à son intelligence et une grande lucidité qui lui permettra la découverte du chemin logique vers le succès, la réussite morale et matérielle. Prière à l'ange Ariel. Ariel, nettoie, ange Ariel, mes désirs afin que ma bouche exprime seulement des paroles agréables et utiles. Donne-moi, ange Ariel, force et courage pour faire face à mon destin et changer en bien le mal que j'ai pu faire. Place ta lumière en moi pour réconcilier mon cœur avec ma raison. Que ma vérité soit ta vérité, que mes convictions et mes actions ne s'écartent jamais de la loi des 10 paroles. Fais de moi une porte ouverte pour qu'athée et idolâtre puissent te découvrir et t'aimer. Merci, avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.